Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un tout nouveau live sur les inepties du Ozaki Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de Yoshi Island sur la Super Nintendo. Ce jeu, tout simplement, qu'effectivement j'avais dit dans la première partie que bah, je les ai en boîte, je les ai tous à côté de moi, sauf que bah, je les ai pas sortis du tout. Donc effectivement, j'ai Yoshi Island dans deux versions différentes, dans la version originale, dans la version aussi Game Boy Advance, et on va faire un petit tour du propriétaire avant de continuer l'aventure. Donc on est arrivé au 3-4, si je dis pas de bêtises, on a battu la fameuse grenouille qui était, ma foi, très atypique, et on va continuer l'aventure jusqu'au bout, tranquillou, on fait pas de 100%, et on va se marrer. Donc, on va parler de Yoshi Island, on n'est pas Yoshi encore à l'époque, le jeu est vraiment joli, hop, donc magnifique, donc avec évidemment le style très atypique qu'on a directement dans le jeu. Voilà, rien de très particulier en plus, mais l'intérieur est vraiment très joli, hop. Donc on joue pas sur la vraie cartouche, pour une raison un peu conne, c'est que la cartouche ici présente, hop, donc, alors rapidement, t'as, moi dans ma copie j'ai le petit truc pour te dire attention, il faut pas faire n'importe quoi avec l'électricité. J'ai aussi la notice qu'on va déballer juste après. Et j'ai la cartouche. Cette cartouche-là ne fonctionne qu'à moitié. En gros, tu mets le jeu dans la console, tu l'allumes, bien sûr. Tu y joues pendant 10 minutes, et au bout de même pas 10 minutes, le jeu va commencer à péter un câble, va faire n'importe quoi, et à ce qui paraît, d'après Maru, qui est ici dans le chat, ça serait un problème de condensateur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais c'est super chelou. Quand il est venu à la maison, il a vu à peu près ça faisait quoi. Et il s'était dit, tiens, c'est bizarre tout ce que fait ton jeu. On l'a nettoyé, on a essayé de changer la pile, on a essayé de faire plein de trucs. Mais voilà, l'ultime solution, ça serait vraiment de changer directement un condensateur. Mais ça sera prochainement. Pas en plus bel état, pour le coup, ma petite notice de Yoshi Island. Tu vois qu'elle est assez cornée dans tous les sens. Mais elle est là, elle est présente et on a... On a tous les screens, hop, on a pas mal de petites choses. Regarde comment c'est beau, comment c'est magnifique, c'est tout mignon. Et on t'explique comment jouer avec notre petit personnage et le petit bébé Mario. Rien de bien incroyable mais vrai, mais c'est une notice qui se tient, qui est vraiment jolie, qui est fait le savoir-faire Nintendo. Hein, pour le coup, j'ai pas besoin de le dire que bah, c'est joli, c'est vraiment très joli. Et ça donne envie de jouer à ce jeu qui... manifestement ne marche pas dans ma version en tout cas. Est-ce que je vais la changer? Est-ce que je vais trouver une autre cartouche? Tu sais, une cartouche de Yoshi Island au Japon, c'est même pas 5€. Donc, au cas où un jour, on sait jamais, je pourrais l'acheter. On range un peu tout son matériel. Hop! Avant de présenter l'autre version. Donc la version Game Boy Advance que j'avais acheté sur Oldies, si je dis pas de bêtises, il y a maintenant... longtemps, je pense qu'il y a même des gens qui ne savent pas c'est quoi Oldies. C'est un vieux site d'enchères de jeux vidéo sur lequel tu pouvais avoir des beaux items comme celui-là. Donc Yoshi Island sur Game Boy Advance en version européenne. Donc hop, rien de spécial. Et à l'arrière, tu as toutes les langues, donc de l'allemand, néerlandais, français, italien et espagnol. Et espagnol. Donc voilà, tu as absolument la totale. T'as des petits screenshots pour te dire qu'il va se passer tout ça dans le jeu. Et le titre, il est vraiment dans un très très bel état. J'ai dû le payer, si je dis pas de bêtises, une 20aine d'euros il y a maintenant très longtemps. Maintenant, je sais pas du tout combien ça coûte un Yoshi Island sur Game Boy Advance. Très certainement très cher, je pense, mais bon. C'est à toi, Doumarakis. Et merci beaucoup pour le sub, je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est super sympa !» Merci beaucoup et bonjour, bonjour. On va jouer à Yoshi Island à la deuxième partie et on va déjà présenter un peu son matos. Donc Yoshi Island sur Game Boy Advance, donc un très bon jeu. Très sympathique, qui ressemble énormément évidemment au jeu où on va jouer là maintenant. Le seul truc, c'est qu'il y a certains effets qui sont pas exactement pareils, mais... Écoute, c'est le même jeu. Hein. Je veux dire, la Game Boy Advance, c'était une Super Nintendo portable pour le coup. Mais voilà. Hop, on a le petit flyer pour... la Game Boy Advance, regarde tout ce que tu peux faire avec. Tu peux jouer à Star Wars, l'attaque des clones. Voilà. Tony Hawk Pro Skater 3, c'est vraiment des jeux nuls. Ouais, ou V-Rally 3, pourquoi pas. Puis après, tu as
Là par contre ça déchire. Hein. Castlevania Harmony of Dissonance, c'est trop bien. Spider-Man bof. La compatibilité GameCube qui est vraiment ma foi sympathique. Est-ce qu'il te présente des jeux? Non, il te présente pas des jeux. Mais je vais penser moi à Zelda Forge World pour le coup, les Pokémon bien sûr. Et derrière on a Mario World, donc Super Mario Advance 2. Le Super Mario Advance 1, c'est Mario Bros 3 précisément. Et du Québec, d'accord, ah, ok. Donc c'est pour ça que je me dis, matin, nous on n'est pas au matin, il est quand même presque 17h, mais bonjour le Québec, pour le coup, je sais qu'il y, a, il y en a quelques-uns qui regardent au niveau de la chaîne, je pense à Sailor Minerva, mais dédicace, hein, s'il passe par là. Mario Super Circuit qui est très très bien, c'est un très bon jeu. Advance Wars, classico, très très bien, il est très cool. On a du Magical Quest starring Mickey Mouse et Minnie, donc c'est le premier jeu, mais ils t'ont ajouté Minnie parce que pourquoi pas. On a le jeu qu'on joue là présentement et on a le petit Golden Sun que je n'ai jamais fait. Sachez-le. Je l'ai en deux fois Golden Sun, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais la notice est 9 parce que tu sens que le milieu il est très dur. Donc c'est, je vais pas trop l'ouvrir comme un bourrin. On va essayer de l'ouvrir tranquillement, mais par contre, c'est en noir et blanc. Malheureusement. Dommage. Hop. Par contre, on te présente le jeu. Donc, c'est beaucoup moins joli par rapport à ce que je t'ai présenté juste avant. Mais là, écoute... Fais comme on peut. Donc, mon jeu est hyper complet. Il est magnifique. Il est dans un très bel état. À jouer aujourd'hui, je préfère quand même y jouer sur la version Super Famicom. On va pas se mentir. Mais... Ah non, et j'avais oublié de montrer aussi... Ah, et hyper complet. Là, maintenant, c'est hyper complet. Donc, épilepsie, machin, bidule, vous avez l'habitude dans les jeux les jeux Nintendo, tout simplement. Let's go mettre une pochette action. Je les ai pas avec moi, mes pochettes action. C'est vrai que je devrais mettre... Rappelle-le-moi après le live, parce que je vais l'oublier, c'est sûr et certain. C'est le genre de truc que je zappe, pour le coup. Donc hop, 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 on le remet évidemment dans sa petite boîte, sans le tout dégommer bien sûr. Ah, ah, attends, il faut... Allez. Ah, pourquoi il bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ah, évidemment ça va bloquer quelque part. Non, c'est bon. Faut aller mollo pour le coup. Il fallait aller mollo. A skip ton Yoshi Island GBA finira chez moi. Ah ouais, tu m'avais dit que t'aimais pas la Game Boy Advance. Faut savoir un peu. Et on le met évidemment dans sa maison. Donc hop, sans tout déglinguer, comme d'habitude. Donc là, n'hésitez pas à me le rappeler juste après le live. Pochette action, Yoshi Island GBA. Sinon je l'oublie, c'est sûr et certain que je l'oublie. Je pense à autre chose et pas à ça pour le coup. Donc hop, hop. Donc voilà, c'était... un petit Yoshi Island sur Game Boy Advance en version Heure. Donc pour le Canada, vous avez les versions US pour le coup. Mais bien, pour le coup. Donc un très bon jeu. Il est disponible sur le Switch Online au cas où, pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà. En attendant, hop, je vais le mettre de côté. On est reparti pour jouer évidemment au jeu. Hop. Donc on est sur Nintendo Switch. On s'est arrêté effectivement au 3-4 qui était vraiment pas mal du tout. Et c'était pas mal du tout. Un petit jeune qui joue à des vieilleries de ma jeunesse, intéressant. Bah j'ai 27 ans, donc petit jeune, oui. Dans le milieu du rétro gaming, oui. Dans l'absolu et maintenant, beaucoup moins. Parce que 27 ans, ouais, je suis plus si jeune que ça pour le coup. Malheureusement. C'est le temps passe, mais ne se ressemble pas. Mais oui, après c'est vrai que ça c'est des jeux, j'ai pas connu. J'étais pas né pour le coup. 95. Non, j'étais pas là du tout, moi je suis arrivé en 96, donc un an après, et mes premiers jeux, mais c'était des jeux en 3D, donc autant te dire que j'ai pas connu ça du tout, et personne dans ma famille ne jouait aussi à ce genre de jeu. Ils étaient beaucoup plus branchés PlayStation, donc forcément. Alors, putain, ça commence déjà avec un niveau un peu chaud. Il faudra faire... parce que j'ai trop peur de faire des bêtises, il a volé mon bébé. Ça va. Je suis bien plus vieux que toi, malheureusement. Bah après, il y a plus vieux que sur YouTube. Parce que je fais des vidéos YouTube à la base, moi. Sur YouTube, ouais, j'ai des gens qui ont 50 ans, pour le coup.
bah, même 60 ans pour certains. Quand t'écoutes Julianne, je rappelle qu'il a 1000 ans. Pour le coup, c'est un vampire. Non, Julianne, je crois qu'il est de 64. Je crois qu'il est de 74, Julianne. Parce qu'il va, je sais qu'il va sur ses 50 ans. Dans pas si longtemps que ça. Donc vous pouvez lui dire la prochaine fois, le grand-père, pour le coup. Allez, allez, allez. Ça va. Hop. Ah. Ouais, bon. Ok. T'es poisson, tu veux me tuer? T'es de 74 aussi. je sais jamais, hein. On sait jamais. Après, voilà, j'ai pas de... Sans rancune, hein, bien sûr, hein. Je suis mort. Il m'a dégommé, j'ai pas vu avec les feuilles. Et le solon, 18 vies, quand même. Après, ouais, non, c'est vrai que ouais, les gens sur YouTube, ils sont vieux, sur la chaîne, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je te présente un jeu récent, ils sont là en train de rager, de se dire « Non, moi, j'aurais préféré du rétro. » Même si ce truc de demander du rétro, c'est un peu fini. Mais fut un temps, surtout au début de la chaîne, tout le monde arrêtait pas de me dire ça. De parler de jeux rétro et pas de jeux récents. Attends, là, ce week-end, je parle d'un remake d'un jeu Master System. Et ça sent les gens me dire « Ouais, mais non, j'aurais préféré autre chose. » Est-ce que tu peux... Est-ce que vous... Tu... Ah putain, évidemment, vous ne pouvez pas mourir. Paf. Je suis presque juste de redos. Après, voilà, c'est la, je me doute qu'il y a de la nostalgie là-dedans. Après, moi, ma nostalgie, c'est plus des jeux DS maintenant. Pour le coup, je vais pas te mentir. Hein. Je rappelle que moi, j'ai plus joué à la DS qu'à la Super Nintendo. Même si, en vrai, j'ai beaucoup pratiqué la Super Nintendo quand j'étais en au lycée, pour le coup. Plus même au niveau du collège. Mais plus le lycée, la Super Nintendo, pour vrai. C'était vraiment l'époque où je jouais à fond... mais deux fois c'est chiant. Je jouais à fond à du Act Tracer, à du Super Metroid, à du F-Zero, encore une fois. Il y a même des vidéos de moi au lycée en train de jouer à F-Zero. Maru a vu, d'ailleurs. T'as déjà vu une vidéo de moi en train de jouer à F-Zero il y a très longtemps. Il y a des gens qui ont des exclusivités, hein. Il y a des gens qui ont des exclusivités. Bon, c'est pas ouf, hein, pour le coup. C'est juste... Ça a un peu vieilli, on va dire. Allez! Ah, mais c'est mort. Ah, mais c'est... Ouais, mais c'est mort, là. Je suis bloqué. Ok. Attendez, hein. On est en train de se concentrer parce que le jeu, il est en train de me... Putain. Ouais. Ok. Ok. C'est bon. C'est le gars qui galère sur le passage. Passage nul, en plus. C'est un passage trop nul. Mais c'est l'enfer. Ça pue. Là, ça pue moins. Ok. Ça va. Après, j'ai joué à quoi sur Super Nintendo quand j'étais au collège? Chrono Trigger, bien sûr. Évidemment, Chrono Trigger. C'est un des jeux préférés, encore une fois. Je rappelle que c'est pas pour rien, hein, c'est un des jeux préférés. Puis après, bah, on enchaîne. J'ai preuve, c'était sur Amiga 500 et 2000. Ah, ça, Dragon Slayer. Bon, en plus, en arcade. Maniac Mansion, ouais, très bien. Fright Night, on connaît. Ringman, après des jeux sur PC, j'en ai fait plein aussi. Hein. Plus des point and click, pour le coup. Putain, trois fois. Et je galère sur ce passage-là. Hein. Tout le truc avant, je l'ai fait tranquille, je galère. Ouais, les jeux PC, c'est surtout des point and click que j'ai fait. Donc Grim Fandango, Maniac Mansion, le Day of the Tentacle. Bon, bien sûr, les. Monkey Island, bien sûr. Après, c'est surtout les jeux FMV, donc ça va être du Phantasmagoria. J'adorais Phantasmagoria, qui était trop bien. J'ai pas du tout, j'aimerais bien avoir en grosse boîte. Le truc étant que c'est chiant à trouver les grosses boîtes aujourd'hui. Et merci beaucoup pour les beats. Et c'est vrai que c'est le genre de choses que ça m'arrive très peu souvent, évidemment. Je me concentre en même temps. Je me concentre en même temps parce que le truc, il est un peu chiant. Merci beaucoup pour les beats, ça fait super plaisir. Hop. Je me concentre. Hein.
Je voudrais me concentrer sur le passage juste après. Parce que là, je galère. Je sais pas pourquoi je galère à fond comme ça. Alors, pourtant, on jouait super bien avant. Là, on est à la moitié du jeu. On l'a fait juste à, on avait fait la première partie, mais tranquillou. Alors là, attention. J'ai pas envie d'utiliser le rewind. J'ai trouvé que des boîtes CD. Oui, à chaque fois, je le vois. Tu me le montres, tu te dis ah, trop bien le jeu. Puis bah, c'est pas la beatbox pour le coup. C'est quoi les beats? C'est la monnaie de Twitch. Trois fois ça m'énerve par contre. Là, trois fois, faut peut-être pas déconner. Allez, merci. J'en ai marre, c'est bon. Trois fois que tu passes pas le jeu, il te dit non! Tu dégages. J'aime bien utiliser des save states en plus, mais quand j'ai pas le choix là, faut y aller. Je t'en parlerai un peu après, mademoiselle. Ah! Là, c'est encore autre chose pour le coup. Est-ce que je peux avoir des œufs? Écoute, là c'est bon. Mais bon, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage un peu chiant. Si, il y a des pics. Est-ce que j'ai déjà dit que j'aimais pas les niveaux avec des pics et de la lave? J'ai que ça. Je vais essayer de continuer en haut. Je vais continuer en hauteur, dans le doute. Non, ça va. Normalement, ça va. Normalement, c'est la fin. Normalement, la fin est pas loin. Eh, le jeu, là, d'un coup, ça va? Ok. Ça va. Oh, sérieux? C'est la galère! J'ai fait des bêtises! Je l'aurais pas. Je l'ai pas, mais bien sûr que je l'aurais pas, il me s'est fait prendre. C'est dur! C'est vachement dur d'un coup le jeu! Ok. Bon! Wesh, vraiment, le jeu il est devenu. Mais on est d'accord que le jeu est devenu vénère d'un coup! C'est pas moi qui rêve, on est d'accord. Tous les niveaux avant, je les ai fait tranquilles. Et là, le jeu, il devient dur. En fait, j'ai pas envie de m'énerver, déjà. J'ai pas envie de m'énerver sur le jeu. Parce que sinon, ça pue. Surtout que c'est Yoshi Island. C'est pas le jeu le plus dur du monde. Quand même. S'il te plaît. Surtout qu'il y a tellement de... Il y a du vide partout. J'ai plus de batterie à ma manette. Trop bien. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Les trucs, ils ont... C'est mort, vas-y. Dégage. Je commence à péter un câble. Le truc... Eh, c'est dur. C'est dur. Pourquoi le bébé, il fait tout ça? C'est la fin? C'est la fin du niveau? C'est la fin du niveau? Je sais pas la fin du niveau? Je peux voir la fin du niveau? C'est méga... Eh, on est d'accord. Oh, c'est méga dur. Wesh, pourquoi c'est aussi dur que ça d'un coup? C'est pour aller au-dessus. Il y a un truc au-dessus. Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi c'est aussi dur d'un coup? Pourquoi il y a tout ça? Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. C'est la fin? La fin, elle est là. C'est bon. Wesh, la fin, elle était longue. On commence bien avec un niveau méga dur. Wesh. C'est normal que c'était aussi compliqué que ça d'un coup. Et 33. Là, j'ai vraiment mais pas pris mon temps pour récupérer des trucs. Allez, Lavos maintenant. Ça ressemble à Lavos pour le coup. Ça ressemble énormément à Lavos. Donc, ok, c'est Harry Hedgehog. Ah non, c'est un hérisson. Un simple hérisson. Un hérisson, et j'espère qu'il n'y aura pas de. Il n'y a pas de précipice, on est d'accord. Ok. Ça devrait bien se passer. Et le niveau est encore magnifique. Comme tout à l'heure en fait. Même si là, c'est.
C'est un arrière-info qui me fait penser énormément à... Tu sais, il y a eu tout à un moment, il y a eu plein de leaks de chez Nintendo, et t'as un décor qui ressemblait étrangement à... Alors, le jeu s'appelle Super Donkey, précisément. Mais le décor, il ressemble étrangement, on va dire. C'est même trop... c'était même trop beau pour être ça. C'est pour aller où? C'est pour aller là, ok. Ah, je tombe. Non, c'est bon. On fait gaffe. Ok. Mais c'est les flammes, c'est vrai. Là, c'est pourquoi? C'est pour avoir des étoiles. J'ai plein des étoiles plein les yeux. Merci, les étoiles plein les yeux. Non, c'est bon. C'est bon, on a les étoiles. On peut y aller. Mais doucement. J'avais oublié qu'il fallait aller doucement. Parce que si tu vas pas doucement, le jeu, il va te... sévèrement. Très sévèrement. Par contre, j'ai peut-être bloqué le... Non? Non, ça va, j'ai pas bloqué la boule, mais... L'hérisson va mourir. L'hérisson est mort. Donc là, on prend. Ah mais oui, mais il me faut la boule. Forcément qu'il me faut la boule alors. Je me doutais qu'il fallait ça. Je quitte pour le boulot. Bel accueil. Mais merci beaucoup et à la prochaine pour le coup. En espérant, j'espère le faire des trucs un peu plus tôt pour le coup. Mais mille merci et à tantôt comme on dit chez nous en France. Bah, surtout en Belgique plutôt. Mais écoute, des bisous. Et de jouer à la prochaine. Alors on fait ça. Par contre c'est chiant. Il est complètement bloqué, hein. Je peux pas... Non, je peux pas le débloquer, on est d'accord. Ah, putain, ça bloque... Si, c'est bon, c'est débloqué. S'il fallait vraiment rester sur le truc, puis au bout d'un moment, il va dire, bon, ok, pas de soucis. Allez, venez. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Il va avoir la top là dans 2 secondes, je pense. Manger. Bra. Par contre, ouais, non, l'écran se bloque quand tu t'as une cinématique. En vrai, il y a des trucs un peu étranges dans le jeu. Je pense surtout de comment je peux bypasser tout. Je pense surtout comme ça. Et là, on a le. Normalement, c'est la taupe, on est d'accord. C'est bien la taupe. Donc là, ok. Là, ok. Là, c'est pour... Là, tu veux. Veux de la gueule de Yoshi à chaque fois. C'était juste pour ça? Non, c'était pas juste pour ça, on est d'accord. C'était pas juste pour avoir un machin. Ah non, c'était pas juste pour avoir un machin. Parce que je me suis dit, putain, c'est juste pour ça. Ça sert à rien. Non, ça va. Ça va. Et on est au moitié de niveau. Ça va, Maru, t'es content? On continue ton jeu, on est toujours bien. Est-ce que le skill, il avance, là? Le skill, il pue la merde pendant 2 secondes. Du moment qu'il n'y a pas de précipice, genre comme là, ça va. Du moment qu'il n'y a pas de truc chiant, ça va. Non, mais vraiment, les précipices, j'ai énormément de mal. Par contre, niveau bonus... Ah oui, gros niveau bonus, même. Je pensais être sur un live de Boy Ice Nest. Ok, d'accord. Le gars, tu fais un effort, tu fais des trucs sympas pour lui. Et c'est comme ça qu'il te remercie. Il te qualifie de Boya SNES, tu vois. Puis après, il dit, ouais, on est potes et tout. Bah, écoute, visiblement pas assez. Visiblement pas assez parce que tu me considères comme Boya. Ok, c'est mangé. C'est pas un compliment. En plus, ouais, c'est même pas un compliment. Non, mais je sais. Je sais que t'as un... T'es pas quelqu'un de très très amical. Bah après voilà, je te tolère. Hein. Je te tolère malheureusement, je suis obligé, parce que écoute, sinon tu vas pleurer là. Enfin ton chouineur encore. Les hérissons là, ils piquent pour le coup. Enfin ils piquent vraiment, pour le coup. oui, Valou, les hérissons, ça pique. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc, mais je sais pas quoi. Ah oui, c'est peut-être qu'il fallait faire tout. Et j'ai pas tout fait. Ah oui, j'ai pas tout fait parce que je voyais plus rien, c'est ça.
Là, on avance, on avance, on avance, on avance. Ouais. C'est même pas qui c'est. Boyasness. Boyasness, c'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube et qui te parle de alors, il fait de la brocante, il fait... il fait quoi, par de la brocante? Alors, il parle beaucoup de collection aussi. Ah, disons-le, il parle, c'est vrai qu'il parle beaucoup de collection. Ensuite, il fait... En fait, je sais même pas comment qualifier Boyasness, à part il fait des vidéos. Ok. Il y a un truc que j'ai pas compris ou que j'ai pas vu. J'ai un truc que j'ai pas fait attention. Et je sais pas où, il est. C'est là? Non. C'est... Attends. Là il y a ça. Deux secondes. Je suis paumé. Hein. Je suis paumé. Il y a ça là. Là. Ok. Mais là il y a pas la clé. On est d'accord qu'il y a pas de clé. C'est mort, y a rien là. Donc là, je fais le tour pour rien. Ils se vendent d'arnaquer les gens. Non, je rigole. Bah, si. C'est un peu le... C'est vrai. On n'est pas loin, on n'est pas très loin de la vérité. Hein. Il a fait comme Kirby fut un temps, hein, je rappelle. C'est pas. Après, c'est le monde du de la brocante, c'est pas un. C'est pas que des enfants de cœur, hein, je rappelle. Ou c'était là et je l'ai pas fait gaffe. Écoute, j'essaye de comprendre. Donc là, non. Donc là, non, c'est pas là. J'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé de lui. J'ai pas vu la clé. Et où est la clé? La clé du bonheur, il est où? Bah là, en tout cas. Ok. J'essaye de comprendre, hein. J'essaye de comprendre le truc. Ah, allez, le bébé, merci. Ok. Bah, je vais retourner loin en arrière. Hein. Ou ça serait vraiment là, derrière, après, avant les mensonges. J'ai pas fait gaffe, en fait. Sache que les petites portes, c'est des bonus. Ok. Généralement, c'est des bonus. De temps en temps, ça arrive que ce soit pas que des, bonus. Là, imaginons qu'il y a un truc là ou pas. Là, visiblement, il y a un truc. Il y a un truc que j'ai pas fait. Là, non, si, je l'ai fait là. Là, je l'ai fait. La clé? Non, il y a un escalier. Merde alors. Il est où le truc? Là, il y a la souris. Et la clé, elle est là. Elle est là, la clé. On fait comment pour la clé? Aïe. Non, le bébé. Ouais. Alors, c'est, j'ai la clé en visuel. Maintenant, il faut... On fait comment pour y aller? On me dit pas qu'il faut tenter de faire un truc en diagonale. C'est ça qu'il veut faire? Ça va être chiant, ça va être trop chiant. Bah ça se demandait ce qui m'étonne la plupart de ces week-ends. Bah juste ça. Juste à faire des brocantes tout le temps et tout. Un peu triste, hein. On trouve toujours des tonnes de trucs. Après, est-ce que c'est comme les Heartbreakers? C'est la grande question. Parce que les Heartbreakers, ils étaient connus pour ça. Ou c'était un passage qu'il fallait passer avant? Attendez, je retourne en arrière. Parce que ça arrive aussi, hein. Je rappelle que... Il y a beaucoup de trucs qu'on ne sait pas ou qui s'est fait à côté. Après aussi les budgets qui, mais... les budgets sont indécents par moment. Ok, je sais pas si ça passe. Oh ouais, ça passe. Oh oui, ça passe. Bah c'est bon, j'ai la clé. Je savais juste pas comment on y accéder. Comme ceci. Ok, et là maintenant, j'ai la clé. C'est bon. J'ai pas été au bon endroit. Là.
là. Parce qu'après, je me souviens, des Heartbreakers, on le sait, hein. On le sait que ça a été mitonné. Il y avait des trucs mitonnés qui récupéraient avant et ils faisaient style. Oh là, vous avez vu tout ce qu'on a récupéré en brocante alors que c'était faux. C'est quand même la loose, hein. Tu sais, de mitonner des brocantes, quoi. Pour juste faire du clic. Il doit avoir des Chaos Harmony. Chaos Harmony, je sais comment ils fonctionnent. Après, ils ont tendance à faire beaucoup de vidéos qui rapportent parce que la collection ça va. C'est vrai qu'ils sont là maintenant. C'est devenu les Heartbreaker 2. Allez. Ah, ils sont pas méchants, hein, les Chaos Harmony pour le coup. Mais surtout le rythme de vidéo, tu fais quoi quand même vénère, non? Je suis quand même obligé de passer de l'autre côté. Je suis trop con. Allez, viens. Je galère, hein. Je galère sur les niveaux qu'on fait, là. Tout à l'heure, ça passait nickel, là, maintenant. Ils étaient à la broque de Reims. Ah ouais. Ils achetaient quoi? Et je suis sûr qu'ils ont fait une super vidéo en mode « Oh là, trop bien, trop cool, on a dépensé comme des fous. » Ah, je dis pas qu'ils sont méchants, hein, mais juste... Il y a des trucs louches, ouais. Je suis pas dans le même cas, pour le coup. Hop. Oui, ne tombe pas. Je sais pas, je m'en bats la race de... Mais oui, ils ont claqué... 1000 euros. Combien? Mais Chaos dépense énormément, ça se demandait 2-3 DS collector. Ah putain, 1000 balles. Mais dans... Moi je me vois mal déjà aller 1000 balles. Déjà dans une brocante, déjà de base, tu vois. Mais juste 1000 balles même à la Pixel D, faut être fou. Ou faut avoir un sacré budget pour le coup, pour claquer autant. Non mais je sais qu'ils gagnent pas des masses, hein. Non, moi je sais que c'est grâce à eux, avec leurs vidéos, qu'ils peuvent se permettre d'acheter autant. Mais ah ouais. Ah, je pensais pas qu'ils avaient dépensé autant. Ah oui. Ah c'est chaud. Ah oui c'est chaud. Ah mince. Parce que ouais, ces gens-là, je les connais. J'ai même le contact direct pour Chaos pour le coup. J'étais déjà parlé pour à l'époque avec Yoshin, ce qui s'était passé avec Yoshin. J'avais des informations et tout. Mais putain ouais mince. Oh sérieux. Alors si ma manette se déconnecte, je vous inquiétez pas, j'ai tout à portée de main. En fait je suis en train de me rendre compte que non, je n'ai pas tout à portée de main. Il va falloir que j'aménage mon stand de travail, ma façon de jouer. Oh non, mais je l'ai touché le bébé, mais putain, merde, quoi. Ok. Il a payé 167 euros derrière pour des Pokémon. 167 euros. 165 euros plutôt. C'est chaud. Ah, vous me prenez des belles, hein. Et pour quelqu'un qui regarde pas, Maru, tu t'y connais bien. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est louche quand même. C'est louche. Ah mince. Ah ils sont... Mince, je pensais pas autant en fait. Parce que moi je me souvenais d'eux, ils avaient à peine 1000 abonnés, tu vois. Bah à l'époque on se parlait, tu vois. On se parlait bien, on va dire. Et bah ça a bien changé. Ça a effectivement très très bien changé. C'est surtout ces merdes là, les plantes piranha qui sont chiantes. On avance, hein, doucement on avance. Ok. Après, je regarde pas sinon. Ouais, c'est mon frère qui est. Non mais t'inquiète pas, on a tous ce cousin qui regarde des trucs bizarres aussi. T'inquiète, Maru, c'est tout à fait naturel. Et ça n'a jamais rendu sourd, hein, en plus. Sache-le. C'est que des rumeurs. Sérieux?
Les niveaux sont bien chiants là. Alors ok, là on va attendre un peu. Je regarde depuis quelques jours. Ah bah tu dois être étonné. Tu vois les trucs, tu dis ah ouais quand même. Ah ouais quand même les gars, ils sont un peu vénères là. Je pensais que t'avais juste une attaque sur la tête, ça passait. Non, pas du tout. On va attendre un peu. Entre les DVD, les Blu-ray, les figurines, bah c'est comme... Je vais dire ta copine, les trésors de Nat. Trésors de Nat, c'est pareil, hein. Elle fait tout. Elle fait littéralement tout. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu peux avoir autant de budget pour faire autant... Bah absolument tout, quoi. Ok, tu peux avoir des collections, tu peux avoir un ou deux trucs loul, mais peut-être pas tout, toi. Elle, c'est une vraie passionnée. Marie, tu dis des trucs qui dépassent ta conscience. Mon bébé, mon bébé. Je suis pas spécialement fan non plus hein, des trésors de dans les trésors de Nat. On a déjà beaucoup parlé, hein, pour le coup. Nat, une passionnée. je sais que tu l'aimes pas du tout, c'est bon. Encore une fois, ce qui m'avait choqué, c'était l'Instagram. Ah, je suis tombé dessus, j'ai fait... Quoi? Pardon, c'est ça? Hein? Sérieux? Sérieusement? Ah, c'est pas la même, hein. Ah, vraiment, j'étais choqué ce soir-là. Le truc qui réapparaît 2 secondes après, évidemment. Ah non, mais je sais que Tiff, tu l'aimes pas du tout. Mademoiselle Segura, plutôt. Je sais que tu n'étais pas trop fan, pour le coup. Mais c'est compréhensible. Alors, je veux bien... Attends. Ah oui, mais non, mais je suis trop con. Il y avait juste le poteau. Voilà, il y a juste le poteau. Faut juste taper le poteau. Allez. Ah ouais, mais en plus, sans connaître les noms. Ouais, ça par contre, c'est très problématique. Je veux bien que t'as un trou de mémoire et tout. Hein. Mais des trous de mémoire tout le temps, à un moment donné, faut peut-être consulter, tu vois. Mais surtout, les personnages de Winx, tu les connais, je veux dire, Bloom, Stella... Ah, putain, merde, je vais avoir un trou de mémoire aussi, là, maintenant Attends, t'as Bloom, t'as Stella. Parce que je les vois en train de faire leur transformation. Et c'était sur Télétoon, et que Télétoon, j'ai très peu regardé. Surtout que les Winx, ça fait combien d'années que j'ai pas vu un épisode? 2 secondes. T'as Bloom, t'as Stella. Parce que je vois à peu près... En fait, je vois les personnages. Tu vois, je vais me taper la honte parce que je sais plus non plus, tu vois. Oh, Flora, putain, mais oui. Ben oui, la Flora, Stella, Musa. Ouais, Flora, tu l'as dit 2 fois. T'avais le truc techno aussi, ouais. Parce que Wings, après, t'as aussi la série télé... La série télé de Netflix, qui a encore un autre truc, qui n'a rien à voir avec le dessin animé, donc... C'était ma sœur qui l'avait vu, qui avait dit que c'était un peu spécial, on va dire. J'ai mis 2 fois. Ouais, non, mais le Flora, je me suis dit, oula, attends, j'ai mis 2. Je sais qu'il y a Flora, pas de problème. Mon bébé putain, ta... Toi, t'es chiant. Dégage, merci. Ça fait trop longtemps. Par contre, ouais, non, les Winx, je suis en train de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu un épisode. Elle n'existe pas, cette série. Mais là, c'est une série qui est beaucoup plus mature. Et je crois que t'as pas tous les mêmes noms et tout. Donc c'est aussi pour ça que je me dis, dans 2 secondes, ils s'appellent comment déjà dans la série? Ah. C'est comme les filles dans... Même dans Dorémy Magique. Là, je suis incapable de te dire comment ça s'appelle dans Dorémy Magique. Pourtant, Dorémy Magique, je l'ai vu sur...
Je l'ai vu sur la 5 comme tout le monde. Mais c'est là où tu te rends compte que entre la réalité et ce que tu te souviens, c'est quand même un sacré décalage. Bah c'était moi, c'était le dernier cas, c'était quand même Sugar Sugar Rune. Je suis toujours choqué. Hein. C'était pas si bien que ça de, par rapport à avant. T'as même Sabrina la série Gore aussi. La série Gore, j'ai fait putain, c'est pas. Elle est où? C'est pas la Sabrina que moi j'ai connue sur Canal J quand j'avais 4-5 ans, tu vois. Donc, t'aurais mis Emily, Sophie, Loulou, Mindy, Flora, putain, je s'en souviens de tous. Et en Jap, ouais, alors en Jap, je les ai pas, là pour le coup. C'est Maru qui a regardé Dorim Magique aussi, qui m'a avoué ça, elle a fait écoute, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Ah là. Bah finalement vous êtes pas si différents, tu vois. Finalement vous êtes pas si différents. Regarde la tête des trucs alors que dans 2 secondes on va chier du sang là. Allez, on est dans les tuyaux. Bonjour. Bonjour. C'est bon, c'est pas ça. J'oublie Azuki, Aiko, Hanpu, Momoko. J'avais Momoko en tête pour Doremi Magique, donc c'est les noms en VO. J'ai tout le gros coffret d'OST Doremi Magique que je dois écouter. Mais c'est pour bientôt. Ça, c'est Sakura aussi que j'ai eu. J'ai galéré aussi au niveau des noms. C'est Mirmo aussi. Mirmo, mais ça, je t'en avais déjà parlé quand c'était vu. C'est que Mirmo, ça fait tellement d'années que j'ai pas vu. Je serais incapable de te dire il y a qui, il y a quoi. Et même de base, il se passe quoi dans Mirmo tout court? Je sais pas du tout. Je me souviens plus. Ma sœur, elle pourrait t'en parler aussi. On l'a vu, hein, mais... Il se passe quoi exactement? Ah, c'est le truc... Non, mais c'est pas là maintenant, le truc comme ça. Pixel Art qui soutient le... Ouais, mais Pixel Art, en même temps, il soutient tout le monde. Mirmo, Riruma. Riruma, je l'avais. Yuki, c'est... Ouais. Bah, par contre, c'est trop chiant. Mais c'est quoi le scénario? Juste le scénario de Mirmo, c'était quoi exactement? Je me souviens qu'il y avait des mugs, je me souviens effectivement qu'il se passait des inepties et tout, mais alors qu'est-ce qui se passe dedans? Par contre, c'est trop chiant. C'était pour cette discipline Mirmo, d'accord. J'ai plus deux. Puis il y a eu un méchant. Ouais, effectivement, il y a eu un méchant au bout d'un moment. Mais alors, le méchant, c'était pourquoi? C'était pourquoi il y avait un méchant? Ouais. Tu vois, je me souviens plus de tout ça. Après, la dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? Pour savoir exactement. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu un épisode, c'était à l'époque sur Canal J, quand c'était encore diffusé. Donc c'était... je préfère pas dire la date. Ah, évidemment, il m'en lâchera pas plus, évidemment, pour lui cracher dessus. Ok, attends, c'est devenu de la gelée. Ah si! Ah, ce connard, il peut encore exister! Oh non, mais c'est chiant, ça, par contre! Sont invoqués pour réaliser les vœux. Ça, ouais, je m'en souviens. Par contre, le reste... Maman. Je galère, hein, pour ceux qui se posent la question. Ok, ça passe. Ça passe plus. La dernière fois, c'était sur Canal J. Bah putain, t'as des bons souvenirs, hein. T'as vraiment des meilleurs souvenirs que moi, pour le coup. J'ai tout oublié. Vraiment tout. Par contre, dans le bug, tu mettais une boisson spéciale. D'accord.
Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a moyen de regarder des... Je vais galérer, faut que j'arrive à faire... Parce que comme ça, ça fonctionne pas, on est d'accord. Ça fonctionne pas, je vais galérer. Et la même que tu récupères dans une boutique qui popait par magie. Ça, je me souviens de la boutique qui apparaissait comme ça. Ça, on s'en souvient. Le vendeur était Space, ouais, on est d'accord. Ça, je m'en souviens. Mais par contre, le reste... Ah, mais là, ça va être chiant. On n'a jamais eu la fin. D'accord. Bah écoute. Ah, mais je suis choqué. Hein. T'as une meilleure mémoire que moi. Ah, il fallait vraiment bien viser là pour lui. Ok. La fin du monde 3 est terrible. Ça m'étonne que Kenji n'est pas encore une chaîne de la TNT. Ils ont Gulli ? Gulli, c'est littéralement tout ce qui est avec Analgie en fait. Parce que quand est arrivé Gulli, ils ont mis tous les fonds de tiroir. Donc, t'avais quoi ? T'avais les rats, t'avais Corneille et Bernie, t'avais quoi d'autre que t'avais des trucs que je me suis dit, c'était vraiment de la... Ils diffusent vraiment de la merde. T'avais du Gormiti aussi. Bref, c'était vraiment l'angoisse. Je crois que t'avais aussi Dinosaur King. T'avais Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX qui a été rediffusé comme ça. Oh, ça passe. C'est bon. Faut juste que je me concentre un peu. Alors, que je me concentre un peu et que je tape bien. Viser, c'est pas... Mais si, c'est compliqué pour moi, visiblement, à chaque fois. Par contre, c'est long. Ouais, effectivement, ça Gulli, c'est 100% le groupe... Alors, maintenant, c'est le groupe M6. Avant, c'était le groupe La Garnière, précisément. Mais effectivement, ouais, c'était... Moi, je me souviens, les gens qui hypaient à fond Canal J, alors que... Gulli, alors que c'était juste des hérodites de merde. C'était pas ouf. Alors, j'espère que le boss, il va être facile. Je suppose que non, et je vais en chier ma mère. À tous les coups. Ok. Allez, Kamek. Abandonne, Yoshi. Tu ne peux pas faire ça par rapport à ma plante carnivore. J'espère que t'es facile, hein, grosse. Parce que je vais en chier, là. On va en chier. Ah, putain, c'est une plante carnivore dans l'eau. Ah, il manquait plus que ça. Comme dans Yoshi Story, d'ailleurs. C'est marrant. Ça permettait à ceux qui n'avaient pas aucune chaîne de les avoir. C'est vrai. Dans la manette, ça va, pour l'instant. Alors, est-ce que je peux sauter? Est-ce que je peux sauter? Attends. Ok. J'essaie de comprendre. Alors ça va me permettre d'avoir des œufs. J'ai plus d'œufs. J'ai du mal à battre le boss. Bah là, je vais galérer, hein. En vrai c'est pas spécialement compliqué, c'est juste que j'ai plus d'œufs. Ah putain, il faut attendre qu'ils sont comme ça pour avoir un œuf. Ok, d'accord. Aïe, ça fonctionne pas. Ouais. Je pourrais avoir des œufs, s'il te plaît. Voilà, merci. Parce que je voudrais bien taper. Parce que je peux pas taper. Ok. Aïe. Mon bébé. Je vais pas crever. Je suis immortel, bien sûr. Ça tape pas. En fait, je comprends, il faut taper. Mais chaud, non? Dur, non?
pour rebondir là les enfin, oui, j'ai bien vu en fait qu'il y avait son truc en dessous. Mon bébé. Je l'aurais. Oh putain, mais fais chier quoi. Ah, oh, 19. Plus on reprend loin. Oh, on se tape le truc en plus. Truc bien relou. C'est le même principe. Ouais, après là, c'est un peu plus compliqué pour le coup. Oh, ça sent la save. Ok. Je pense qu'il va pas être évident, le boss. Surtout que là, je suis un peu bloqué. Hein. Je suis vraiment, tu sais, dans un coin. Vas-y, lâche-moi. Ah, évidemment. Ok. Ça va. Donc, il faut juste que je retienne un truc. Ça passe comme ça. Sérieux? Tu peux le one-shot avant même de voir la sorcière. Ah ouais. Alors déjà, c'est un sorcier qu'un mec. Ça fait rien, t'inquiète pas, bébou. Putain, merde, là! C'est chiant! Je le prends, écoute. Alors. Là, c'est facile. En vrai, tu le one-shot, comment tu arrives tout de suite, pouf, tu le balances un œuf, c'est ça. C'est ça le truc. Si c'est ça le truc, mec, je vais tenter, hein. Il est non binaire qu'un mec. Oui, c'est ça, bien sûr. N'empêche, maintenant, j'ai envie de regarder Mirmo. Merci, hein. Merci de me donner envie. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens tellement plus. J'ai fait dodo entre-temps. Et j'ai vu d'autres choses aussi. J'ai vu beaucoup d'autres séries et des dessins animés. Même le Royaume des Couleurs, je serais incapable de te dire ce qu'il y a dedans. En fait, je me souviens de certains passages. Je me souviens de certaines phrases. Bon, je me souviens du méchant en ombre, du prince et tout. Même du délire en mode les légumes, c'est bon pour la santé, mangez vos envies, vite vous grandirez. Mais... Je sais plus. Je me souviens plus. Ah, bah même que là, il faut lancer un œuf sur la fleur qui dort. Écoute, Marlon. T'es con. Il y aura des hommes qui vont conquérir le monde des couleurs. Ça, on s'en souvient, ouais. J'ai pas réussi. En fait, faut vraiment sauter en balançant un œuf, littéralement. Parce que là, trop tard. Et spoil, c'est un monde imaginaire, tout ça. Ça, oui, ça, je me souviens. Mais tout ce qu'il y a tout au centre là, je sais plus moi. J'ai fait dodo. Alors. Ouais, ben voilà, on me fonçait dessus. Je veux bien. Ok. Fort bien. Fort bien. Je vois comment ça fonctionne. Parce que là, en fait, il faut faire des ricochets. Faire des ricochets, vas-y. Oh, sérieux. C'est tout? C'est fini? Je viens de le... Attends, deux secondes, il fallait lui donner deux ou trois coups. Il était bidon. C'était super simple. Nikoro et Patachon, ça je me souviens. Et la princesse capacieuse aux 12 défauts. Ça par contre, je me souviens pas. Je me souviens pas qu'elle avait autant de défauts. Je savais qu'elle était elle faisait beaucoup de chichi pour pas grand chose. Mais alors, 12 défauts? Je me souviens aussi qu'ils étaient tous en pierre aussi.
Par contre, c'est vraiment au tout début. Eh ben, c'était super simple, hein, le boss. Hein. Fallait juste. Quand j'étais petit, il me faisait peur, le boss. J'imagine bien quand tu me le dis, ça. Bah écoute, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident, là, les quatre mondes et tout. À travers des régions du royaume. Avec les saisons. Ça, par contre, je m'en souviens. Au fur et à mesure du temps, il y a des saisons et machin, et il se passe des trucs, et il y a des machins. Ça, on s'en souvient. Ah merde, je pensais que c'était du... Oh, les Gombas. Eh bah écoute, il y avait pas une team de fansub qui avait commencé à faire ça, qui avait travaillé dessus. Parce que s'il y a moyen de regarder ça en VO, je suis preneur, pour le coup. Même si la VF, je sais que j'en serais très 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 nostalgique. Bon, non, mon petit-fils et parents, à la princesse Diamant, ça, je m'en souviens de ça. Je me souviens que ses parents sont... Oh, sérieusement, le truc qui passe pas. Je me souviens que les parents et tout, ils étaient pétrifiés, que c'était le roi des ombres qui avait fait des dingueries. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de trucs que ça. Par contre, il y avait plusieurs saisons. Et qu'il se passait évidemment des machins et tout. Et les régions, c'est les noms des mois. D'accord. Bah écoute, ça, par contre, je savais plus. Je m'en souviens plus du tout. Et c'est vraiment, tu vois, en fait, on est en face de le même genre de série que Sakura. Sakura que j'ai vu sur M6, mais incapable de te dire ce qui se passe dedans. Ah merde, j'ai pété. Dans le jeu, bien sûr. je précise un peu. Le Yoshi a mangé un champignon, pour le coup. Et tu vois qu'il est un peu... Il était un peu stone, le machin. Je suis là, vous inquiétez pas, on est concentré, c'est juste que... Ça, c'est chiant. C'est chiant, le truc qui... Dès que t'as ça, c'est fini. Dans la S2, c'est des anges qu'elle poursuit. D'accord. Non, mais vous l'avez vu que Yoshi a pété. Parce que Yoshi, j'ai mangé le truc, et il était complètement stone. Regarde, j'arrive plus à avancer. Je suis à fond dedans, il ne bouge pas. C'est trop chiant. Quand t'es comme ça, la perspective, elle est trop chiante. Et ton Yoshi, il met beaucoup plus de temps à bouger. Gros, bouge pas. Attends que le truc il passe, gros, bouge plus. Il est complètement dégommé. Putain, mais il est bougé tout seul! Mais ce connard, il a bougé tout seul! Il est arrivé, il a fait oup! Et hop, dans le vide. Putain! Alors attendez, hein, je suis là à vous. Et j'ai trop envie de regarder plein de séries maintenant. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour regarder des séries en plus, tu le sais. Bah écoute, va falloir que je... Au moins le Royaume des Couleurs. Au moins le Royaume des Couleurs, parce que c'est vrai que c'est une série très nostalgique. J'aime bien. Qui me rappelle des beaux souvenirs. Putain, c'est chiant! Regarde, le Yoshi, il sait plus où il va. Il sait plus comment il s'appelle. Je sais plus si tu ne bouges pas, ça fonctionne. Salut à toi, Alexis. T'arrives pile pour un Yoshi qui est dégommé! Il est ce connard, il a bougé tout seul encore une fois! Ok, d'accord. Il a bougé tout seul! Ok, d'accord. Oh, le Yoshi, quand il est comme ça, il faut vraiment le maintenir dans une direction et faire gaffe.
Ah là ouais, le Yoshi, les stones. Je l'ai pas eu. En fait, ça pue la merde quand je suis dans les plateformes comme ça. Parce que dégommer, il fait nappe. Dégommer, il fait n'importe quoi. Allez, passe. Ok. Ok. Ok, passe. Même, tu vois, le style du Royaume des Couleurs était un peu le pastel aussi, je viens d'y penser. Maintenant, dit comme cela. C'est vrai que... On dirait pas que le jeu lag par moment. Non, le jeu ne lag pas, pour le coup. On est à 60 FPS. Non, après, c'est juste du contrôle. Si tu me vois en train de faire n'importe quoi, c'est normal, c'est Yoshi. Ah, faut peut-être prendre un machin. Ah, c'est peut-être pas là qu'il fallait aller. Ah, et par contre, il y avait plein de... Oh, en vrai, ça me donne trop envie. Ça a été réalisé par Doremi. Oh. Oh. Normal. Normal, alors. Attends, fais quoi? Attends. Il me dit quoi, le truc? Touch superstar and become powerful Mario. C'est super. Dash with Y. Comme Eartha Procure. D'accord. Par contre, faudrait réussir à... J'arrive pas à sauter. Allô? J'arrive pas à sauter. Allô? Allô, le jeu? En vrai, ça me donne trop envie. Lance un œuf sur le sable. Il y a du sable, ah oui! Bah, ça passe pas pour le coup, parce que bah. Je vais essayer de dégager tout le sable, hein, mais. On peut faire ça comme ça? Ah, d'accord! Oh putain! Ok, d'accord, il faut enlever le sable pour que l'étoile elle vienne avec toi. Ok. Ok, d'accord. C'est pas logique, mais écoute. Donc vas-y, il dash. Dash, mon bon Mario, dash. Mais non, je suis invincible, je suis trop con. J'ai eu peur, je me suis dit, ah, je vais me faire dégommer. Non, j'ai une étoile. Oh, oh, oh. Ok. Ta, c'est bon, ça passe. Bon courage au Royaume des Couleurs, c'est 70 épisodes, ça par contre ça fait long, ça fait très très long pour regarder tout. On va d'abord regarder les séries que tu m'as recommandées, puis après on va voir surtout que je pense pas que la VOSTFR elle est pas dispo tout de suite maintenant, parce que si la VOSTFR était disponible tout de suite maintenant, j'aurais regardé pour le coup. Mais c'est moi où on galère vraiment beaucoup plus sur les niveaux. Parce que là, ça sent qu'à 20h, je suis encore là pour le coup. Qu'on avance? Ah putain, faut aller dans un tuyau, ça va être lui. Vas-y, je prends lui. Après, let's go, hein. Si c'est 70 épisodes et que c'est bien, pourquoi pas, hein. En fait, j'ai surtout peur que ça me fasse comme le Sugar Sugar Rune et que je me dis, ah bah c'était pas si bien que ça finalement. Oh évidemment. Évidemment, donne-moi mon bébé. Ok, ça c'est cool. Par contre, pas de VOSTFR. Oh putain. Regarde en VF. C'est bien la VF, hein, mais. Je sais pas si ça va être bien. J'ai trop peur d'être déçu. De me dire que c'était mieux avant. Par contre, les chaînes jeunesse, non, oui, là, les chaînes jeunesse c'était beaucoup mieux avant. Là, les chaînes, aujourd'hui, j'ai du mal à regarder les chaînes jeunesse en me disant, ah vas-y, les jeunes, ils adorent ça.
C'est pas dingo, hein. Plutôt max, hein, pour le coup. C'est bon. Compliqué, hein. C'est très, 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 très compliqué, mais... J'ai plus de du tout. Lâche-moi. J'étais sûr qu'il n'y avait pas de VOSTFR. Parce que moi, je me souviens d'avoir entendu parler qu'il y avait une team qui voulait faire de la VOSTFR. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a foncé comme un idiot? J'ai rien pu faire. Ah, évidemment, je suis obligé de tout recommencer. Parce que sinon, ça serait pas marrant. Surtout que j'ai plus d'œufs, en fait. J'ai plus d'œufs du tout. Faut que je farme. Faut que je farme les œufs. Vas-y. Donne-moi des œufs. Donne-moi des œufs parce que j'en ai plus. C'est un peu la galère quand tu dois essayer de taper des machins et tout. J'ai jamais rien. C'est un peu l'angoisse. Donc là, c'est bon. Normalement, on est bon. On a plein d'œufs. Il m'en faut en plus pour chez moi des œufs. Note à moi-même. Putain, j'ai peur. Non, ça va. Ça va le faire. En vrai, ça va le faire. La fin, j'espère qu'elle est incroyable. Elle le sera, de toute façon, je pense. Bon, bah, c'est Yoshi, hein. Je veux dire, la fin, on va avoir notre petit frère, évidemment, avec nous. Là, il y a un secret, vas-y. Secret. C'est quoi le secret? Ok, le secret c'était de faire ça. Ouais. Ah, il faut maîtriser à fond le. Donc, par contre, on a la saison 3 et en VOSTFR. Oh. Maru, tu peux regarder Doremi, c'est bon. Vas-y, tu peux let go, on y va, on le regarde tous ensemble. Puis on va avoir des beaux souvenirs. Bah, vous allez avoir plus de souvenirs que moi en tout cas, ça c'est sûr. Ok, let's go, ça me donne une petite vie, j'aime bien. J'aime la vie. Paf. Paf. Ok. Dédicace à Chrono. Je lui ai donné envie de jouer à... Je lui ai donné envie de jouer à... D'un coup à... ce petit Yoshi. Ça m'intéresse pas. Tu disais pas ça quand t'étais chez moi. T'étais trop hype, hein. Et je me souviens, quand je t'ai montré le truc, t'as fait « Oh, vas-y, ça fait longtemps que j'avais pas vu ». Allez, les génériques sont bien en plus. Même la bande son, elle est cool en vrai. C'est une bonne bande son. Fait par un monsieur qui a fait beaucoup de choses dans l'animation. Après, t'es juste encore un énième rageux là. Tu sais pas ce qui est bien pour toi. C'est tout ça. C'est tout ça que je me dis. Hop. Eh merde. J'ai déjà fini à 100% sur la Switch, mais non, là, je me fais un F-099, tu me diras. Aïe. Oh, c'était la fin, c'est la fin, c'est la fin. Imagine que je fais la fin sans le bébé. Il se passe quoi? Ce serait marrant. La fin, Allez, j'ai jamais de bonus. Ce serait marrant de voir que... Bon, bah, c'est bon, c'est fini, mais il n'y a pas de bébé. Du coup, bah, c'est long. Elle est beaucoup trop bien la bande-son. Ouais, non, elle est, je sais plus quand il s'appelle comment le monsieur. Mais je sais qu'il a fait mais vraiment des belles choses dans l'animation et c'est vraiment pas mal. Même les génériques, ils sont trop trop cool. Je dors sur la berceuse. Ah ouais? Je savais pas que tu faisais ça. Écoute, je découvre des trucs encore sur toi. Et elle me permet de me calmer. D'accord. Moi, je savais pas du tout. Ah, ah. Eh ben, c'est baisé. Eh bah ben c'est pas... Ah c'est peut-être pas baisé. C'est baisé. Ne vous inquiétez pas, c'était fait par un professionnel. Je savais ce que je faisais. Ouais, je savais ce que je faisais. Je savais que ce niveau il va puer la merde. Oh ça pue. Oh ça sent le niveau où on va galérer. Ça sent le niveau où on va en chier. Vas-y.
Ah, sérieux? Ouais, on m'a dit d'aller par là, ouais. Et là, pour le coup, c'est... Je ressens de la nostalgie. Ah bah... En même temps... T'as dû beaucoup plus voir la série que moi. Parce que moi, Dorima Magique, je regardais 2-3 épisodes comme ça. J'étais beaucoup plus intéressé par les vieux machins, donc forcément. T'as pas le genre de truc, je me dis, waouh, vas-y, trop bien, mon bébé. Reviens par là. Reviens par là. Tu viendras pas par là. Putain, fais chier. Ok. Alors attendez, hein, je suis là. Putain! Je suis bloqué. Je suis bloqué! On commence. Non, ici c'est tranquille. Tranquille, j'ai failli crever. J'ai failli crever. Deux fois! Écoute. Ah, le petit copter. Oh, je suis con. J'aurais dû utiliser le petit copter tout de suite. Mais marrant, c'est un truc que je savais pas du tout sur toi. Et je prends note. C'est rigolo. On en découvre un peu plus, pour le coup. Une fois d'intégrale et plus jamais. Ah ouais, plus jamais. Je pleure beaucoup trop. Ah mince, je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout. C'est si nostalgique que ça. Ou c'est peut-être des souvenirs de... Les fins sont des régions, les fins de saison, d'accord. Ah non, là c'est le genre de truc que... C'est le genre de truc que moi je me souviens pas du tout. Ok. Et ça va, le niveau est... En fait, le niveau il est un peu chaud. Mais c'est chaud, pas dans le sens où c'est trop compliqué, c'est chaud dans le sens où... Juste faire gaffe. Sérieusement. Non mais en tout cas, je découvre des trucs sur toi, c'est sympa, mademoiselle. Je savais pas du tout pour Doremi. Autant je me doute pour certaines séries qu'on en avait déjà parlé, mais pas pour Doremi. Et c'est sympa. Là, d'un coup, on découvre des trucs. Oh, c'est un peu terrible. La première, elle renonce à leur magie, ouais. Ah, quand même, ouais, surtout putain de Doremi. Oh, la fleur, je l'ai pas eu là, c'est mort de mort. Ouais, évidemment. Je suis là, je suis en train de me concentrer en même temps parce que le niveau est pas forcément évident. Ok. Ok. J'ai plus rien! J'ai plus rien parce que ce connard il m'a balancé tous ces trucs en même temps! Ok. La deuxième devait aider Flora à retrouver l'ancienne reine. Ouais, ça par contre je m'en souviens pas. Puis l'abandonner. Ah merde! Mince! Ouais. Ensuite. Ok. Mon bébé, s'il vous plaît. Enfin, c'est vous, à un moment donné, le truc qui... Elle devait encore renoncer à la magie et à Flora. Putain, ouais, c'est l'angoisse. Ah, je savais même pas. Donc, Maru a regardé ça. En fait, là, finalement, c'est pas tant un cœur de pierre que ça. Il m'a caché beaucoup de choses, hein. Y a pas de switch. Tiens, switch pour avoir tout ça. Non. Je peux aller me faire foutre. Je peux aller me faire foutre, visiblement. Elle choisit de rester humaine et de pas devenir sorcière. Ah ouais. Ah bah, comme quoi. Ah, je découvre la fin. Mais alors, merci de me spoiler, évidemment, Doremi. Au cas où que je voulais regarder, hein, on sait jamais. Ou il y aurait une occasion pour le regarder. Génial, bah merci.
Elle m'a tout spoilé. Elle vous a tout spoilé, là, pour le coup, Doremi Magique. Ah, pour le coup. Bah, bravo. Je pense qu'il va y avoir du rab aujourd'hui. Vu comment on avance dans le jeu, faudrait que là, en même pas une demi-heure, je fasse tous les niveaux. Et encore, j'ai des doutes. Ah, hein. Oh, putain, en plus, c'est un niveau avec des chompes. En gros, faut foncer, c'est ça le truc. Ah! Ok, c'est bien un niveau, il faut foncer. C'est bien un niveau, voilà, français. J'ai quand même 20 vies, hein. 20 vies pour faire tout le truc. Bon. Et là... Bah ouais, mais c'est mort aussi, j'ai eu peur, le truc était sur moi. Il faut regarder pour comprendre pourquoi. Bah écoute, Bah de toute façon, Je prends note, j'aimerais bien garder, mais bon, écoute, là, on est un peu pris, on va dire. Ah, sa mère, à chaque fois, je me loupe sur le saut. Les droits et les raisons ne regarderont jamais la série. C'est vrai. Là, par contre, ça, c'est vrai, pour le coup. Et donc, toi, tu sais que je vais la regarder parce que je suis un peu con. Et parce que tu vas me dire, bah vas-y, c'est trop bien. Donc du coup, bah... J'ai pas le choix. Surtout pour te faire plaisir. Pour comprendre pourquoi t'étais aussi triste que ça et autant nostalgique, on va dire. Ah oui, il va se casser les dents. Il va se casser les dents, c'est comme dans la version de DS. Je suis mort. Là, voilà, il va se casser les dents sur ce truc-là. Sauf que j'ai mal fait le truc. Alors, concentration d'un homme. C'est pas dur, hein. C'est pas dur. C'est juste du saut millimétré. Qu'est-ce que tu fais? Et là, va se casser les dents. C'est marrant. Ok. Con, non. Juste trop gentil. Juste trop gentil, surtout pour découvrir un peu tout ça, parce que maintenant que tu me l'as dit, ça me donne envie. Donc forcément, à chaque fois que tu me dises un truc, j'ai envie de le voir. C'est terrible. Mais écoute, ça va être trop bien. Je vais dire à Marlon, vas-y, regarde la série avec moi. Marie, je sais que tu m'écoutes. Tu peux pas regarder la série. Allez, s'il te plaît... Je te donne les liens en VOSTFR, on regarde tous. Je te dirai que... Je te dirai exactement comment on fait les trucs. Ok. Faut juste pas paniquer. On ne panique pas. On ne panique pas. On ne sert à rien de paniquer. Et on est bien. En fait, faut juste avancer. Très peu... Il fallait effectivement très peu planer. Et moi, je suis toujours là. Tu vas me regarder jusqu'au bout. Donc effectivement, t'as entendu le truc, on va regarder bientôt là... on va regarder Doremi Magique là bientôt, je t'envoie des liens et faut regarder tout. Je perds beaucoup de vie par contre là, pour le coup. Il y a des chemins alternatifs ou pas? Il y a des chemins alternatifs. Il y a des... Là, il y avait ça. Ok, d'accord. C'est des chemins alternatifs avec justement des endroits où il y aurait tel ou tel ennemi. Ok, possible. Fou, oui. Là, il faut tomber. Non mais sérieux? Sérieusement, je... Eh ben, j'ai très chaud. J'ai jamais eu autant chaud de ma vie. Il y avait une température caniculaire d'un coup. C'était très compliqué. J'ai failli mourir. Et faut regarder le film de 2021. Let's go. Alors, n'hésite pas à me le rappeler parce que je vais dormir. La clé.
La clé, ben je l'ai. En plus, c'est nostalgique. Mec, c'est nostalgique. Tu l'as vu, la série. Tu l'as vu comme tout le monde. Donc, du coup, je sais que t'as envie. Je sais que ça te donne envie. Tu te dis, ah, vas-y, j'étais trop bien et tout. Je suis sûr que tu voulais les figurines quand t'étais plus jeune. Tu voulais jouer à la poupée comme tout le monde. Mais y a pas de honte, hein. Y a pas de honte de vouloir jouer à la poupée, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Puis ça renforce ton côté masculin, hein. Pour le coup. Ça fait que c'était sensible et tout. Donc forcément, tu vois... Puis même, tu te dis, ouais, j'ai vu la série moi, quand j'étais plus jeune et tout. Moi, j'ai les poupées maintenant. Oh, voilà, les poupées. Kirby 54, t'as aussi les poupées. C'est pas une blague. Il les a gardées pour les revendre beaucoup trop cher. Mais genre, 70€ la figurine. Ah mince, il faut une clé. J'ai pas vu qu'il y avait une autre clé. Bah du coup, il va falloir fouiller. Alors, on était tombé tombe comme ça. Là, il y a des pics. Ça tombe à pic. J'aime bien ça, les pics. Il te propose avec quoi tu veux mourir. C'est ça le truc. Ouais. Ok. Ok, c'est un casse-brique. C'est ça le truc qu'il faut qu'on va faire là maintenant. Ok. Ok. Parce que les poupées, ouais, ce qui paraît, ça coûte cher. Ça coûte une blinde. Donc du coup, bah... Curieux. Putain, mais connard. Moi, mon bébé. Vas-y, tombe. Voilà, t'es tombé. On va se concentrer. Ah, on va se concentrer, mais j'ai plus de... J'ai des œufs. J'ai deux œufs. Non, mon bébé. Mon bébé. Dégage, 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 dégage. Oh, c'est juste pour ça. Je l'aurai jamais. Non, c'est bon. C'est compliqué. Le jeu, il me demande plein de trucs. Il me demande de faire plein de machins. Ah, je sais même pas ce que je vais manger, mais juste après. Aïe. Ouais. Ok. Tombe, 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 tombe. Ah putain, évidemment, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Réveille-toi. Putain, le truc ici qui te prend ton bébé. Mais prends tous mon bébé. Arrêtez de me prendre mon bébé, s'il vous plaît. Non, mais monte. C'est mort, et c'est mort. Il est tombé. C'est... Mais putain, mais forcément, le truc, il est remonté. Je pouvais... Là, je suis désolé, je proteste, parce que je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, le truc. Le truc, j'étais dessus, j'étais bien. Il l'a volé, et il est parti avec. Non, là, il faut pas déconner. Je proteste. Tu peux attraper bébé Mario avec ta langue. On touche pas les enfants. Surtout avec la langue, en plus. Pas bien. Ah, c'était juste pour une fleur de merde. Non, mais dis pas que j'ai fait tout le niveau pour ça. J'ai fait tout le niveau pour une fleur de merde. Oh, putain. Arrêtez de voler mon bébé. Merci. Ok. Ah, ils peuvent mourir. Ah, bah, je savais pas. Ah, bah, écoute. Bon à savoir, ils peuvent mourir. Par contre, il n'y avait pas de clé. Tu peux tirer sur la bulle pour le faire descendre. Ok. Tu fais ce que tu veux avec les enfants. Hein. Oui, mais écoute, non. On a dit non, on fait pas ça avec des enfants. Là, c'est quoi? C'est la botte, la clé. Mais il n'y avait pas de clé! Il n'y avait pas de clé! Je viens de le faire, ton putain de niveau, il n'y avait pas de clé! Il faut 4 clés pour atteindre le boss. Quoi? Il n'y avait pas de clé! Il n'y avait pas de clé du tout! Et pourtant j'ai fouillé, hein! On peut pas dire que j'ai pas fouillé! Attends, on va regarder. J'ai coincé le truc. J'ai pas coincé le truc. Vas-y, monte. Monte, mon gars. Monte aussi haut que tu peux. Ouais.
Ouais. Mais encore une fois, il n'y avait pas de clé. Là, il y a une clé. Là, il y a une clé. Je veux bien qu'elle est là. Il y avait le mur avec les pics bleus. Ah putain, si les pics bleus. Les pics bleus, je peux les toucher. Mais putain, mais c'est pas logique. Tu peux toucher les pics bleus. Pour moi, un pic bleu, ça... J'ai joué à Rayman. Dans Rayman, t'as des pics bleus partout. Dès que tu touches un pic bleu, c'est mort. C'est game over. Et là, maintenant, on te dit, bah si, tu peux. Voilà, tu peux toucher les pics bleus. Comment ça, on peut toucher les pics bleus? Alors, ok. Bon, on y retourne. Ok. J'y vais. Je rentre dans la porte. Oh, il va y avoir du rab. Hein. Je sais pas à quelle heure le live va être fini, mais. Je pense qu'il va être fini à un peu plus de 20h pour le coup. Ça pue, hein. Ça pue. À moins, franchement, que je me dise 3 parties. En fait, ça dépendra dans. Ça dépendra dans 19h. On est où exactement? Est-ce qu'on va le faire en 3 parties ou est-ce qu'on va le faire en 2? Ça pue qu'on va le faire en 2, hein, pour le coup. Ou pour aujourd'hui, 2. Ouais, mais là, c'est pas Rayman, enfoiré. Bah, écoute. Ça ressemble, hein. Le personnage, il n'y a pas de bras. Meurs. À mon avis, 3 parties. Ouais, je pense que ça va être en 3 parties. En 3 parties, comme ça, je pourrais manger. Calmement et posément. Comme ça, il y aura un mini bout de live la semaine prochaine pour dire, voilà, c'est fini. On fera un autre jeu. On fera un petit jeu, je pense. Aïe. On fera un wow, je pense qu'on va faire ça, en vrai de vrai. Ça, tout, en fait, tout dépend de où on est dans une grosseur, on va dire. Hop. Ah, sérieux? Rien ici! Mon bébé! Merci. C'est trop chiant qu'ils volent le bébé et qu'ils se barrent, mais tellement loin, là! Attends, j'ai trop envie de vous regarder toutes les séries qu'on a parlé aujourd'hui. Merci, hein. Merci. Je suis influençable en plus là-dessus. Mais putain, mais mon... Ta mère, là Je sais qu'il meurt au bout de 3 fois. Voilà, merci. Ok. Montre ça que c'est pas évident. Ouais, non, franchement, c'est pas évident du tout. Plus le jeu est un peu pervers, je trouve. Je peux avoir un billball. Merci. Allez, un petit bill. Oh putain, ça marche pas! Je pensais que le bill, ça passait. Le bill, ça passe pas! Ah putain, le bébé. En fait, c'est chiant parce que j'ai plus d'œufs. Enfin, si j'ai un nœud. Le bébé. Ok. Paf. Ah, évidemment, c'est pas lui. Évidemment que c'est pas lui. Ça sera bien sûr l'autre. Putain, mon bébé. Et évidemment, le truc qui se barre à l'autre bout du niveau. Évidemment qu'il se barre à l'autre bout du niveau, ce connard. Eh, c'est chaud, hein. Et on est au 4-4, hein. Loul. Et là, regarde, il y a plein d'œufs. Je peux récupérer plein d'œufs, mais je suis obligé de retourner au tout début du niveau. Oh, c'est chiant. J'ai pas d'œufs. Oh, putain. Oh. J'ai pas d'œufs, je fais comment? J'ai pas d'œufs. Faut que j'imbile. Je comprends pas pourquoi ces trucs là. Je peux pas les gober en fait. Ok. Attends, est-ce que je peux faire. Attends, 2 secondes. Est-ce que je peux faire le tour du niveau? Je suis obligé de faire le. De retourner bien en arrière là. Mais avale les canons. Ça s'avale pas les canons. Non, attends, 2 secondes. Tu peux vraiment avaler les canons. Et que ça te fait vraiment un projectile.
T'as vu que les canons ça marche pas, ouais. Encore une fois, merci de l'info chat. J'adore ça, mais vraiment, j'adore qu'on me dise des trucs, c'est fou. C'est lourd, c'est lourd. Alors, Maru, voilà, est-ce qu'on peut le ban là pendant quelques instants? Est-ce que tu peux... Est-ce que, le gars, il va finir en ban, hein. Le gars, il me raconte de la merde, là. Les projectiles... Mais j'ai pris ton putain de projectile, ça fonctionne pas, là. Ton truc, il ne marche pas. Il ne marche pas, je viens de le faire. C'était un gros connard, bah. Le gars, j'ai pris le projectile, je l'envoie, ça ne marche pas, ton truc. Va... Nick. Au bout d'un moment, nick. Oh, putain, je suis bloqué. J'ai plus de piles dans la manette en plus. 2 secondes. Va falloir que je change le machin. Mais ton truc il fonctionne pas. Et prends les piles, regarde, ça va marcher. Les. Pas ça. Mais pas ça. Mais pas ça quoi. Il y avait pas autre chose. Il y avait que ça, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu babaches? Il y avait que ça. Je peux rien faire. Alors attends, maintenant il faut que je trouve un moyen de charger mon truc. Est-ce que j'ai un USB-C là sous la main? Et si j'ai pas d'USB-C, on est pas fin. On n'est pas fin du tout. Est-ce que c'est de l'USB-C? Non. 2 secondes, hein. Je suis à vous. Je cherche juste un moyen de brancher ça en USB-C. C'est des choses qui arrivent. Mes Joy-Con, au pire du pire. Regarde, hop. On a chargé ces manettes. C'est pour une bonne raison. Par contre, est-ce que tout peut marcher? Voilà, regarde. Regarde, on a de la chance, on a chargé tout ça. Ah, il y a Monsieur Marlon qui est en train de m'appeler. Alors, attendez. On va évidemment avoir son avis. Bonjour, Monsieur Maru. Ah, mais ce connard, il m'a... Mais t'es vraiment le roi des connards, hein. Attends, on va rappeler. Le monsieur veut nous appeler. Écoute, il va nous donner des conseils. Allô? Ah bah, t'es plus qu'un niveau, toi. Objectile, là, les balance pas. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Eh ben, t'avales les bilbos, là, les projectiles, tu les avales. Tu les balances pas sur les nuages, ça sert à rien. Ah! Attends. Attends, on va tester. On va tester ton truc, là. Parce que là, t'es en train de me raconter de la merde depuis tout à l'heure. Si je fais ça... Ah ouais, ça marche. Ah merde. Merde. C'est bon. C'est bon. J'ai réparé. Tu comprends que la moitié de ce que je te dis, en fait. Hein, mais écoute, tu me racontes n'importe quoi. En plus, je te saoule. Écoute, merci beaucoup de ton aide. On va continuer l'aventure. C'était Maru, bien sûr. On lui fait des bisous. Il nous a aidé. Mais gros, c'était pas logique, en fait. C'est pourquoi, à un moment donné, là d'un coup d'un seul, tu vas pouvoir faire ça. C'est... Écoute, ton jeu, il est bizarre, c'est tout. En tout cas, j'ai 2 clés. Ah, 2 clés, ça va. Normalement, ça devrait passer, 2 clés. Écoute, le gars, il a tellement pété un câble que je n'avançais pas qu'il m'a appelé, carrément. C'est pour te dire que... Alors, vas-y. Est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce que c'est... Je me suis fait info chat une nouvelle fois. Où est-ce que ça va? Ok. Donc là, effectivement, il faut une autre clé. Ouais. Est-ce qu'il faut une 4e clé? Pour l'instant, non. Pour l'instant, oui. Ton niveau... Il est long, le niveau. Il est vachement long. Écoute... Merci, hein. C'est surtout un décalage avec la vidéo. Ah ouais, là... Alors, quand c'est un décalage comme ça, il faut juste recharger, monsieur. C'est normal, c'est parce que... c'est Twitch. Surtout que je me suis entendu, je me suis dit... Ah oui, quand même. Je pense que t'en as encore pour 1h30 pour finir le jeu. Un peu plus. Vu comment je joue, beaucoup plus, même. Ah putain, je viens juste d'y penser. Mais là, si je meurs,
Là, si je meurs, j'utilise le rewind. Parce que là, il faut que je fasse tout le niveau avec la lave sans mourir. Parce que je n'ai pas eu de checkpoint depuis un moment certain. Putain. Attends, on avance. Hein. On avance. Ça va? T'es content? On avance mieux? C'est pas nul. Je même, en fait, je veux même pas imaginer refaire tout. Refaire tous les machins et tout. Va te faire foutre. Putain. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Putain. Mon bébé, ça va. Ça va, je pense. Ça va totalement, je pense. Ça va totalement. Je touche à rien. Je ne touche à rien. J'avais peur de ne plus avoir deux. C'est bon. En fait, c'était juste le passage. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Écoute, on tente des trucs. Hein. On tente des trucs. On essaye d'avoir des machins. Mais, ouf. Là, au moins, on finit le niveau. Le monde 4, qui était vachement, vachement long, en fait. C'était vachement long pour pas grand chose. Parce que là, ouais, une demi-heure, ouais, on aura à peine fini le monde, en fait, tout simplement. C'est con, hein. Je pensais pas que c'était aussi long que ça. Et on est bon! Vas-y, enfin, le boss. Le boss, j'espère qu'il est, il est facile. Hein. Parce que là, on vient d'en chier, mais de ouf! Un niveau de nul, disons-le. Mais écoute. Bon, alors, c'est quoi, là, maintenant? Des sauts rodéo? Yoshi, mon chéri, maintenant il va falloir que tu... Il y a quelqu'un qui va te marcher dessus. Ok, le truc est tout rond, il est tout rose, il est tout mignon, il a une sale tête. Ok, d'accord, c'est ça. Ah putain, faut les manger. Faut les gober. Faut les gober parce que si tu les gobes pas, sinon ça fonctionne pas. Ah oui, tu peux les... Ah par contre, tu peux faire ça. Ok. Tu peux les écraser en paquet. Bon, c'est bidon. Par contre, le boss, là, il est éclataxe. Ça, t'es content? Le boss, je l'ai battu en 2-2. Eh bah, le boss, il était nul. Il était nul à chier. C'est quand même terrible que ton niveau, il est méga dur, mais le niveau là, facile, easy, c'est quand même chaud. Putain. Eh, on en a chié, hein. Putain, là, pour faire 8 niveaux, on a mis presque une heure et demie. Quand même abusé, non? C'est quand même abusé. Bon, allez, vas-y, encore 4 niveaux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Après, on pourra peut-être blablater en peut-être un petit peu. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, ça dépend combien de temps ça va être fini. Ou je sens que moi, je vais faire des burgers soir. Ou je vais aller chercher une frite, en vrai. Parce que je commence à avoir trop faim. Ok. Ok. Blé. Ok. Ah, en tout cas, t'auras des trucs à raconter, hein. Ah ouais, tu vas voir, le gars, il sait pas jouer à Yoshi... Il sait pas jouer à Yoshi Island. Il a raconté n'importe quoi. Le bébé qui s'en va tout le temps. Le bébé qui m'énerve. Ok. Ah ouais, mais non, je suis bloqué. Ah bah non, je suis bloqué. Pourquoi il fait effectivement, faut que j'aille. Effectivement, faut que j'aille. Allô? Eh bah, je suis bloqué. Je suis rebloqué? Non, attends, je suis pas bloqué. Allez. Non, je suis bloqué. Et du coup... Attends. Et si je fais ça, comme ça? Non. Non, parce qu'on peut pas passer. On est d'accord que... Ah, d'accord, fallait juste faire un saut. J'ai rien dit. Fallait juste faire un petit saut, ça passe nickel.
Ok. Ok. Nickel. Nickel. Oh, j'aurais dû peut-être... Oh, j'aurais dû peut-être utiliser la tortue. Le Koopa. Ça m'aurait peut-être donné des machins. Attends, vas-y, on va faire ça comme ça. Hop, vas-y. Ah bah j'ai tout explosé. Pour changer. Ça change pas, je fais toujours plein de bêtises. Hop, 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 voilà. Ouais. Ouais. Ça va. Là maintenant on avance. Tout à l'heure c'était juste... C'était juste des erreurs d'inattention. Maintenant on avance bien. C'est fini de faire des bêtises. On est là pour faire le show. Tout dégommer. Et aussi de se faire dégommer, mais ça va bien. Ok. Et faire le 100%. Mais vous êtes sérieux? Je viens juste de me dire. Le 100% pour galérer, pour faire tout, on va en chier, hein. Oui. Ah, dommage. C'est la fin? En train de mourir? Je suis en train de mourir, au secours? Non, ça va. Ça va, 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 ça va. Ok. On est bon. On est vachement bon. Oui. Je prends des œufs pour la suite. Je sais pas ce qui va se passer après. Donc autant prendre des œufs. Tant que je peux prendre des œufs. Paf, paf. Ok. Oh, allez, dépêche-toi. Va sur les escaliers. Ouais. Ok. Ouais. Oh, le fin. Et c'est la fin. Oh, ça va, le niveau était pas dur. Par rapport à celui d'avant, ouais, ça va, c'était. Une simple formalité, on va dire. Que j'aurais pas mon support pour mes Joy-Con, tiens, d'un côté, par hasard, comme ça j'aurais pas... Ah, il est là. Hop. Moi, j'aurais une meilleure prise en main. J'ai tendance à faire ça comme ça avec les Joy-Con, c'est un peu terrible. Des Joy-Con qui sont neufs en plus, monsieur, alors que moi, ils sont bien utilisés. Hop. Hop, moi, ça me fait une petite manette. Qui est propre. Allez, le 4-6. Allez, le 4-6, normalement, ça devrait bien se passer aussi. Ça devrait bien se passer si, évidemment, mon bébé, ça va. Ok. Oh putain, c'est un truc avec des poissons. Le cancer. Mais putain, vas-y, mon bébé. Le bébé qui arrive pas de partir. Ok. Ouais, vas-y. Ça va. Peu, le truc à la toute fin. Essayer de me faire un bisou. Mais non, pas de bisou. Sérieusement. Le truc, à chaque fois, tu dis, bah ça passe. Et bah non, ça ne passera pas. Le truc, il ne voudra pas passer. Il ne voudra pas faire ce que tu veux. Et il va te faire bien galérer sa mère. Avec des conneries. Perdu. Tout ça pour des trucs que j'ai tout loupé, en plus. Super, j'ai tout perdu, mais ça fait rien. Écoute, les trois putains d'œufs, j'ai pas réussi. Il y en a pas un qui est tombé dessus. Quelle angoisse. Ça va. Par contre, je me suis toujours posé des questions. Ok, il y avait vraiment un compteur de pièces. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un compteur ou pas? Parce que j'arrivais pas à comprendre, est-ce que c'était vraiment à 50? Non, c'est vraiment, c'est bien comme dans Mario. C'est à partir de 100 pièces, tu as une vie. Mais t'as pas de compteur de vie. Oh, vas-y, sérieusement, mais regarde! Putain, ta mère! Mais putain! Putain, les trucs qui volaient dans tous les sens. Ça va. C'était la panique parce que le truc il voulait pas.
Mais ça va. Ça va. Ça va à moitié. Ça va à moitié parce que les trucs, à un moment, ils sautent, à un moment, ils ne sautent pas. Tu sais pas lesquels vont te faire un petit bond. Ok, regarde-moi ça, regarde ça. Regarde le nombre de trucs qui te sautent dans la gueule, là. Vas-y, donne-moi des œufs. Donne-moi des œufs, c'est bon. Ok. Ok. Ouais. Alors. Ouais. Putain, y'a même des trucs secrets. Ah, mais là, à partir de là, t'es obligé de taper dans tout et n'importe quoi pour avoir, en fait. File-moi des œufs. Ok. Ok. Donc, ça, c'est bon. C'est quand même la galère. C'est quand même là la galère. Et. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Alors ça me fait un escalier, mais un escalier avec des pics, bof. Perdu. Pas perdu. Putain, y a toujours cette plante de merde là qui est trop chiante à défaire. Ok. Et tu m'avais dit, ouais, normalement, en une journée, tu l'as plié le jeu? Bah non, monsieur. Visiblement non, pas du tout en une journée. Putain, mon bébé. Quand c'est pas à gauche, à droite. Putain. Vas-y, donne-moi les trucs. Oh, putain. Ok, en tout cas, c'est passé. Et c'est la fin, c'est bon. C'est parce que t'es mauvais. Le gars qui est mauvais t'emmerde. C'est ça, t'as compris ou pas? Et j'ai toujours pas le bonus à chaque fois. À chaque fois, il y a plein de moments où je pourrais avoir un bonus. Et ben non. Le jeu veut pas que t'aies de bonus. C'est pas que je suis mauvais, c'est que le jeu, à un moment donné, il te crache dessus. Comme dirait Mademoiselle Sakura, elle a raison. Les jeux à l'époque, ils étaient trop durs. Et ben là, j'avoue, il est trop dur le jeu. Tu dis ça, mais en 5 heures, on l'a quand même arrivé assez loin. En vrai, en une journée, tu plies, quoi. Plus en une journée que en... On avait dit combien de temps, déjà? On avait dit en 5 heures. Bon, au moins, on le sait, tu vois. Oh, les boules. Non, ça va. Finalement, ça va. Finalement, ça baigne, tu vois, mais bon... Attends, on en parlera juste après, parce que je sais que tu vas rager, tu vas dire, oh, t'as vu... Ozaki, il est pas fort. Oh, j'ai flippé, je pensais qu'il y avait un trou en dessous. Non, ça va. En fait, ah oui, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris le truc, mais il faut que ça marche. En fait, faut avoir la plateforme, faut rester sur la plateforme, et... Il touchera pas la plante. Il touche très peu de choses de la plante, mais ça passe, toi. Ah, mais gros, c'est chiant. Tu sais, de balancer, tu sais, un machin comme ça que tu peux pas toucher. Ok. Se méfie. Putain, mon bébé. Ok. Ça passe. Ok, on fait gaffe à tout. Je fais gaffe à tout. Ok. Ah. Il y avait une vie. J'aurais pu récupérer une vie, mais j'ai été trop vite. Mon bébé. Et j'ai encore un truc de merde, là. Il arrête pas de me suivre. Hein. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Meurs pas, c'est bon. C'est bon. J'aimerais bien une... Voilà, j'aimerais bien ça. Vas-y, descends. Voilà, checkpoint. On est au checkpoint. On va dire qu'on est au milieu du niveau. Par contre, ouais, les trucs où tu changes de machin, c'est sympa, hein, mais ça fait tout laguer. C'est pas là qu'il faut passer, ok. Il faut descendre encore ? Faut descendre au prochain truc. Ça va, au moins il y a des plateformes. Au moins il y a des putains de plateformes. Il y avait une clé en plus.
Bien fait de fouiller. Alors, il faut savoir que les beatballs, on peut les avaler et on peut faire des œufs avec. Je sais pas si vous le savez. Donc c'est bien de le savoir, au moins ça nous permet de d'avoir des œufs à profusion. Donc ça c'est cool. Après voilà, c'est une technique, il faut le savoir et je chez Ozaki. Je suis tombé comme un bleu. Mais j'ai quand même 18 vies, tu vois. Quand même 18 vies, mine de rien. Ok. Ah, le truc, il me suit tout le temps, quoi. Il fait un vol plané, puis il vient en place, quoi. Ok. 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 En fait, j'ai juste à faire ça comme... simplement. Les trucs qui vont super vite, il faut faire super gaffe. Oh, putain, j'ai trop peur de faire des bêtises et de... de mourir. Ok, c'est bon. En fait, c'était pas très très dur. C'est juste que le truc, il a tendance à pranker de ouf. Quelle angoisse. Il me reste encore 20 minutes de live. Donc 20 minutes, c'est plus... bah, le dernier niveau. Je pense que, ouais, effectivement, on fera le monde 5 et 6 la prochaine fois. Donc comme ça, ça fera... on va découper ça en plusieurs parties. Et je sais pas ce que je vais manger ce soir, par contre, encore une fois... alors peut-être avaler les fantômes, oui, ça serait bien. En espérant que le niveau, il est sympa. Hop. La prochaine fois, du coup, go 100%, non, on va pas... on fera jamais le 100% du jeu. Au moins, on y joue, on le découvre, il est bien, il est sympa. Mais un peu pervers, mine de rien. Vas-y, reprends ton machin. Ah, ou peut-être me faire des croque-monsieur, en vrai. Non, je vais me faire des croque-monsieur ce soir, tiens. Écoutez, je réfléchis aussi à mon plat. Hein. Mon petit plat de ce soir. Je penserai à vous en mangeant mes croque-monsieur, évidemment. Je vais me mettre plein de fromage. Je vais peut-être faire avec des œufs, tiens. Vu que là, on parle d'œufs depuis tout à l'heure. Écoute, ça donne trop faim maintenant. Ça donne beaucoup trop faim. Écoute. Allez, sortez-moi des œufs. Ok. Escalier. Pas dur. Escalier. Escalier. Ouais. Il y a encore un délire de oui, alors il faut utiliser ça, puis il faut avoir ça, puis il faut avoir autant de clés. Ou pas? Ça tombe tout en bas. Faut savoir. Ouais, faut le savoir. C'est-à-dire... croque ou frites? Je pense que je vais me faire des croques, en vrai. Un bon croque, monsieur. Parce que je me dis, des frites, je vais en manger sûrement vendredi. Je vais me faire une frite avec... J'ai des blancs de poulet à finir, en vrai. Oh, je vais me faire des frites blancs de poulet. Ah. Ouais, non, soir, je vais me faire des crocs, en vrai, de vrai. Je me dis, autant faire un truc simple, puis je mangerai un peu plus fat plus tard. Parce que frites, en fait, ça dépend à quelle heure je termine le live. Parce que temps d'aller chercher une frite. S'il est 20h pour aller chercher une frite, laisse tomber. Ça va être blindé. Parce que généralement, le week-end, les gens... Ah, mais j'ai déjà fait ce passage-là. Attends deux secondes. Je suis en train de retourner en arrière. Oula. Ça va être blindé, surtout qu'on est samedi. Là. Ah putain, c'était peut-être pas là. Je sais pas où il faut... oh, je sais pas où on va. Fallait utiliser le truc et je l'ai pas fait. C'est... Je suis baisé parce que je vais devoir faire le tour. Oh,
Ouais, non, je vais faire ça. Ce soir, je vais me faire des bons crocs. Surtout que j'ai du pain. On n'est pas samedi, là? Non, on est mercredi. Oh, je crois que je crois. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, monsieur Zaki qui se croit samedi. Écoute. Écoute, je suis fatigué. Écoute, je suis fatigué, je perds les pédales. Bon, tu m'as compris. Non, bon, alors si, si, on. Ah, mais attends, j'hésite. Merci. Bah, c'est simple. Je vais les appeler après. S'ils me répondent, let's go. Si pas, sinon, non. Ah ouais, je suis perdu, gros, je réfléchis à... Il faut aller où? C'est par où Azur, là? Ce qu'on doit faire, là? Secours! C'est mort. Petit, c'est un œuf. Non, vas-y, asseoir... Non, officiellement, je me fais des crocs. Je me fais des crocs. Parce qu'il faut que je termine ce que j'ai dans mon frigo. J'ai plein de trucs à finir. Je me ferai... De toute façon, je me ferai une frite bientôt, t'inquiète pas. Les gens, ils pleurent pour vendre des frites. T'inquiète pas pour moi. On est d'accord que j'étais en face, hein. Non, j'étais... Non, on est d'accord que j'ai... Je suis descendu. Je suis descendu, il faut que j'aille par là. Voilà. Non, ouais, je dois aller par là. Parce qu'il y avait ça. C'était juste pour avoir une vie, putain. Bah, on va par là. On va par là. Là, il y a quoi? Là, il y a moyen... Ah, il y a moyen que ça soit un truc, hein. Ah, putain, mais si... Je sais c'est où, la sortie. Là, en fait, il fallait récupérer un Koopa. Aller jusque-là, balancer le Koopa dedans. Ça fait blablabla. Et puis, ça active le pont. Ok. Ah, je suis perdu, hein. Je suis perdu. Après, c'est un labyrinthe, hein. Ça va en haut, en bas, à gauche, à droite, tu sais pas où tu vas. Parfait, on adore ça. On adore ce genre de passage. Alors, là, fais pas le con, il faut faire ça. Il faut faire ça. Puis là, maintenant... Et là, maintenant... Escalier. Escalier, ça me déverrouille une porte. Dans la porte, il y a peut-être la clé. Ou peut-être un truc pour... La clé? La clé? La clé. La clé, le checkpoint. Ok. Là, maintenant, faut retourner en arrière pour faire le truc à pic, pour réussir le machin et accéder à la porte. Si je faisais ça aussi... Par hasard. Et si je faisais ça? Ok, je fais ça comme ça. Faut pas aussi que j'oublie juste après de donner une photo à quelqu'un. Que dossier contre dossier, bien sûr. Je me trouve aussi la photo où on me voit justement jouer à la PlayStation, d'ailleurs. Faut pas que j'oublie. Waouh, c'est tout ça pour une pièce rouge. Sérieusement. Sérieusement, pour une pièce rouge. Je m'en fous de la pièce rouge. Oh, oh, parfait. Parfait. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ok, et maintenant, on ouvre. C'est sûr que c'est facile après. Hein. Ok, là, maintenant, on va où? Là, ouais. Ça me donne full machin. Le mauvais. Ok, ça, j'ai dégagé le Lakitu. Lakitu qui revient, évidemment. Ok. Ah, j'ai mangé le nuage, en fait. Ah, d'accord. C'est peut-être c'est ça, le truc. Mais est-ce que le nuage, je peux le... Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Oh, putain. Évidemment, faut... taper juste... Nickel. Quoi que je peux prendre la petite fleur. Bon, dernier passage, messieurs, dames, du jour. Parce que le jeu, il m'a bien trollé. Il m'a vraiment bien trollé. Allez, le boss.
Je me souviens plus, il ressemblait à quoi le boss? Il m'avait dit que c'était un gros Koopa, je crois. Tu peux récupérer des œufs si tu mets. Oh ouais, mais là c'est chaud par contre. Parce qu'il faut vraiment un timing de fou. C'est là? Oui, c'est là. Joli effet pour dire que tu peux passer dans un autre univers. Par contre, les blocs se cassent. Et ok, d'accord. Je peux pas aller plus loin. Pour jouer le Koopa. Ah, il faut voir le coup, je pense. Little Koopa, comme viens avec moi maintenant. Il faut aller tout droit pour aller casser du Yoshi. De ce que j'ai compris, c'est un gros Koopa. De ce que j'avais vu, hein, bien sûr. Ouais. Alors. Oh, le joli effet de. Ah putain, fais chier. Et je peux pas avoir des œufs. Parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Aïe. Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris le truc. J'ai compris le truc pour avoir des œufs. Maintenant. Et là maintenant, attaque Rodéo dessus. Ça me paraît logique. Ça me paraissait logique ce qu'il fallait faire. Par contre, ouais, ça fait un peu peur ça. Vas-y, crash, 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 crash. Ouais. Mets-toi sur deux pattes. Mets-toi sur deux pattes. Mets-toi sur deux pattes. Ouais, là maintenant. Ça va, c'est facile. Ça va, c'est super facile. Là, il va rebondir. Oh, sérieux ? Vas-y, crash, 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 crash. Vas-y, t'as craché des poumons. Maintenant, lève-toi sur deux pattes. Et maintenant, comme d'habitude dans les jeux Mario, trois fois, c'est gagné. Bon, ça va. Pas trop dur. C'est plutôt facile, en vrai. Juste un petit peu se concentrer, faire attention à ce que tu fais. Et c'est gagné! C'est win! Ha! Mmh. Oh, on est bon! On est vachement bon pour le coup. Bah, le niveau était pas dur, en vrai. Bah, par rapport au 4-4. Et voilà, le monde est fini! Donc, on peut accéder au monde 5, mais on fera pour la prochaine fois parce qu'il est quand même 19h déjà. Et on a bien joué pour le coup. On a fait nos 5 heures de live pour le coup. Donc la prochaine fois, ça veut dire qu'on va faire 2 heures. 2 heures pour quasiment. Pour faire la fin, tout simplement, je pense. Ce qui va rester les tout derniers mondes et on aura tout terminé. Hop! Mais c'était. Je vais regarder, il y a quoi? Est-ce qu'on peut déjà voir des machins? Non. Par contre, encore une fois. Tu l'entends, la musique, elle a encore énormément changé. Mais c'est con, par contre, que tu... Que la musique, quand on revient au premier niveau, ça pas le thème classique, sans rien. Mais c'est quand même un très bon jeu de la Super Nintendo. On va pas se mentir que le titre, il est décent. Il est incroyable. J'adore le jeu. Il est magnifique. Il est bourré de bonnes petites idées, de bons moments ou vraiment sympathiques, même s'il a tendance à te cracher la gueule. Goofy, Hystericole, on va galérer, hein. Parce que tu sais que le jeu, il est chaud. Tu sais que le jeu, il est vachement chaud. Mais vas-y, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, je prends. J'en avais parlé il y a très longtemps dans le premier Triforce de la chaîne, littéralement. Mais let's go. On fera ça tantôt, pour le coup. Même si là, Yoshi Island, on va peut-être le finir mercredi prochain. Puis on fera un petit jeu derrière, comme ça sera fait. Mais au moins, on a bien progressé dessus. Le jeu, il était génial. Très, très bien. J'ai juste un peu trop galéré sur... vraiment... À partir de ces niveaux-là, j'ai vraiment galéré. C'était très, très chaud. Et pas forcément évident.
Mais voilà, en tout cas, on est arrivé au 5-1. Je vais juste faire une petite save, on sait jamais si j'ai pas mes vies qui sont stockées. De toute façon, imaginons que je réinitialise le jeu. Voilà. Tac. On est d'accord que je garde mes vies. Hein. Il n'y a pas de loul, t'as plus tes vies et tu recommences tout. Ouais, voilà. World 5. Ouais. On est d'accord que j'ai toutes mes vies. Hein. Ouais. Imaginons que je fasse ça. Est-ce que je vais pleurer ou pas? Alors, hop. Ok. Et là, j'ai perdu toutes mes vies. Et bah, tu peux aller te faire foutre parce que j'ai encore toutes mes vies. Voilà. Et donc là, si je fais ça. Parce que là, je recommence sans vie, sans rien. Non. Non, non, non. Alors que là, voilà, j'ai mes 19 vies sans aucun problème. Ok. Bon, bah, en tout cas, très bon jeu. Il était, encore une fois, c'est excellent. C'était très, très bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a bien rigolé, notamment lors du passage avec. Monsieur Mario, à qui je fais des bisous, j'espère qu'il est content d'avoir une troisième partie. Normalement, j'avais dit en U, deux parties, c'était fini. Et ben non, 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 monsieur. Tu as le droit à trois parties pour ton jeu. Et on en discutera grandement bientôt. Moins long que Yoshi Island. Ouais, en une après-midi, par contre, le Goofy, on a terminé. Donc du coup, tu m'as arnaqué, monsieur. Tu as réussi à avoir trois parties au lieu de deux. Je l'avais dit de toute façon que c'était un jeu long, hein, pour le coup. Mais après, bon, bah non, le jeu, tu vas voir, tu vas le finir rapidement. Mon cul, c'est du poulet. Hein. Pour le cul, on va pas se mentir. Mais bon. Pour les gens de YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Il y a plein de trucs à voir dans les playlists. N'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est là-bas qu'on joue à tous ces jeux fantastiques qui méritent énormément le détour. Et pour les gens de YouTube, je vous dis... Bye bye.